On lui a raconté. Alors, quand on raconte comme ça à Marion Ngoyé, on entend de grands cris d'or. Traître, traître, on tabassait, le gars cria, président, viens au secours, président, il va me tuer, président. Marion Ngoyé nous abandonne dans le secrétariat, court, à la rentrée. Il trouve Noumazalaï en sang. C'était Noumazalaï. Marion Ngoyé a tempêté, dit, mais qu'est-ce que vous faites des actes sauvages comme ça et tout? Il prend donc Noumazalaï, il l'amène au secrétariat où nous étions avec nous. Alors nous, on était un peu Gêné. on lui tournait le dos, on lui parlait pas tout ça. Puis Noumazalaï dit, dit, voyez, ces jeunes ne comprennent rien. Je leur ai dit de ne pas tenter un coup d'État. Je leur ai dit de ne pas aller dans une aventure comme celle-là. Parlait comme ça tout seul, nous on l'écoutait, mais sans lui parler. À un moment donné, on voit rentrer quelqu'un de violent, Sika Kabbala. Il rentre. Il dit, mais alors, qu'est-ce qu'il fait ici, Noumazalaï, alors que les autres sont arrêtés? Qu'est-ce qu'il fait ici au bureau du président? C'est une injure. Il empoigne là pour l'enlever. Marion Ngoyé vient. Il dit, Sika Kabbala, je suis commandant. Ouagada, garde-vous. Il a calmé donc Sika Kabbala. Et on a déplacé Noumazalaï dans une autre pièce. Et alors, on apprend aussi à Marion Ngoyé que les autres conjurés avaient été arrêtés. Il y en a même qui disaient qu'ils étaient interrogés, nus, pendus à la maison d'arrêt. Marion Ngoyé prend son véhicule pour aller les délivrer à la maison d'arrêt. Et nous, après avoir causé le soir, ben, chacun est allé chez lui. Donc moi, je n'avais plus vu et revu Diawara ben, jusqu'à la fin, quoi. Nous, au forum, quand on a démarré, nous avons été suspendus abusivement. Pourquoi? Parce que la présidence de la République avait publié un agenda officiel, un agenda du cinquantenaire qui a traité le président Hubert Hulot, le premier président de la République, d'abbé défroqué. Et nous avons relayé l'indignation de la population, nous avons relayé l'indignation de la famille. Et Oui. donc nous, on nous a taxés d'avoir injurié le président Hubert Hulot. On a suspendu la radio. Moi, je me suis révolté. Et j'ai dit non, qu'on ne peut pas nous accuser d'un acte qu'on n'a pas pu commettre. Et à partir de ce moment, j'ai dit qu'on ne pouvait plus suspendre. Parce que ça, c'est clair. Moi, je défends ma liberté d'expression. Je dis ce que je pense. Je n'ai pas pris les armes. Les gens qui ont pris les armes sont revenus à la mangeoire. On les connaît. Le clan Kolela, le clan Lissouba et même Ntoumi. Donc je pense qu'il faut éviter certaines choses. Moi je le dis, je défends ma liberté. Maître Modilé Lomasigo, merci d'avoir accepté pendant près de 4 heures cet entretien à bâton rompu qui m'a permis de comprendre certains points obscurs de l'histoire de notre pays. Je pense que, en tant que défenseur des droits de l'homme, j'ai l'obligation de rendre public ce genre de témoignage. C'est un témoignage important. Et franchement, avant de te donner la parole pour conclure, j'aimerais mieux te demander que tu me remettes le document que tu m'as promis concernant ta pension. Parce que c'est vrai que tu as engagé une procédure. J'aimerais mieux moi-même m'informer du contentieux que tu as avec l'État par rapport à ta rente. Il serait donc très intéressant que je sois en possession de ce document. Mais merci bien de cette rencontre. Nous avons beaucoup dialogué, très franchement, patriotiquement. Merci beaucoup. Bon, le premier point, c'est le document. Le mémoire que j'ai déposé devant le juge et que j'ai remis à certaines presses, voici ce mémoire. Maintenant, quant à la situation de notre pays, moi je pense que
elle ne peut être résolue que dans le cadre d'une nouvelle conférence nationale. J'insiste beaucoup en ce qui me concerne. D'autres compatriotes proposeront des voies. Et moi, je pense que cette voie-là est parfaite, elle est bonne, elle nous a déjà donné pas mal de bons fruits et qu'on pourrait continuer là-dedans. Ça ne sera pas la deuxième fois ou la troisième ou la quatrième. C'est comme les républiques. Nous avons des républiques en France qui sont déjà au niveau de 5. Donc, une conférence et une deuxième, hein, ça serait une bonne chose. Voilà, moi, voilà tout ce que je peux dire. Je pense que les compatriotes nous ont écoutés. Chacun aura son jugement, son appréciation. Et on verra ce moment-là. Le Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Le Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme, Maître Maurice Massingotiassé. Bonjour et bonsoir. Je vous parle aujourd'hui d'un grand homme, un intellectuel, comme il y en a très peu au Congo. Il s'agit de Maître Aloïse Moudileno Massingo, qui nous a quittés le 6 janvier 2020. Voici
790 jours. Il aurait fêté ce jour vendredi 11 mars, ses 89 ans. En tout cas, comme vous le voyez, je porte aujourd'hui, comme ce sera tout le long de ce mois de mars, un symbole de deuil. Un bandana au cou. En effet, c'est mon très cher maître Amédée Bernard Ganga qui l'a préconisé aux Congolais afin que ceux-ci puissent se recueillir pendant cette période en portant un symbole de deuil national tout le long de ce mois de mars qui est un mois tragique pour les Congolais. De nombreux événements se sont déroulés pendant le mois de mars au Congo. Nous avons donc, comme vous l'avez remarqué, au cours de notre dernier entretien, nous avons préconisé donc le port soit du brassard noir, ou un ruban noir, ou un badge noir, ou une cravate noire, ou un foulard noir, ou un chapeau noir, ou une casquette noire, un feutre noir, un béret noir, ou donc un bandana comme je l'ai. D'ailleurs, le bandana fait son grand retour dans la mode. Cet accessoire nostalgique revient donc à la mode. On peut le mettre sur les cheveux, donc bandana cheveux pour hommes ou pour femmes, bandana foulard pour femmes ou pour hommes, comme je vous le présente d'ailleurs, c'est un bandana pour hommes. Alors bref, le forum vous a donc présenté Maître Maudit Leno Massengo dans plusieurs émissions qui sont en ligne. La plus importante, c'est celle enregistrée à l'occasion de ses 80 ans. L'invité du mois, d'Ingrid Flora, que vous avez suivi, qui est en ligne. Nous n'allons pas donc revenir sur cela. Cependant, parmi des dizaines d'entretiens que nous avons eus avec lui, de 2008 à 2018, même 2019 d'ailleurs, il va nous évoquer de nombreuses situations, donc de nombreux événements qui se sont déroulés au Congo. Par exemple, le coup d'État de Marien Ngouabi et Diawara en juillet 1968, le mouvement du 22 février 1972 de Diawara et Numazalai, l'assassinat donc de Marien Ngouabi et la tragédie du 4 mars 2012. Avant donc d'aborder notre sujet, je voudrais saluer la mémoire d'un aîné et confrère Maître Joseph Milandou, Yajo, qui vient de nous quitter en février dernier, à l'âge de 76 ans. Inscrit au barreau de Brazzaville, 5 ans plus tôt que moi, en janvier 1982, Maître Joseph Milandou sera donc le 6e avocat d'origine congolaise inscrit au Congo, après Maître Aloïse Maudit Leno Massengo, Alexis Bob Diamasamba, Jean-Martin Bemba, Julien Matongo et Dieudonné Ekaba Okoko. Les justiciables congolais retiendront de ce ténor du barreau à Pointe-Noire comme à Brazzaville ses plaidoiries qui étaient des séances de pédagogie, comme d'ailleurs nous l'avions fait dans notre ouvrage qui met le droit à la portée et à la compréhension de tous. Il s'agit de l'ouvrage que vous connaissez bien, que chaque fois que je présente, que vous pouvez trouver en tapant, en consultant donc sur Google, comment peut-on vivre libre et digne en Afrique. Je présente mes sincères condoléances à sa famille et particulièrement à son épouse, Jocelyne Milandou, que je connais très bien, comme son mari. C'est une grande dame fortement impliquée dans la promotion et la protection des droits fondamentaux. En tant que présidente de l'Association nationale des droits des femmes, je signale d'ailleurs que les deux
formaient un couple exceptionnel, très admiré et intègre. Pendant que monsieur était le ténor au barreau, l'épouse Jocelyne exerçait comme procureur de la République et procureur général près de la cour d'appel de Pointe-Noire, avant d'occuper des fonctions importantes au niveau institutionnel, c'est-à-dire en tant que vice-présidente de la Cour des comptes et des disciplines budgétaires. Les mots me manquent face à cette situation douloureuse. Mon cher Joseph Milandou faisait partie de ces personnes qui ont le don de distribuer du bonheur autour d'eux et rendre chaque instant de la vie précieux. Comme vous le voyez d'ailleurs dans ces photos, les dernières photos, et je vous signale que la dernière fois que je l'ai vu, donc c'était en juillet 2019 dans la région parisienne, peu avant d'ailleurs la vague du Covid. Que dire à part bon courage à Jocelyne et à sa petite famille? Soyez en tous les cas assurés de mon amical soutien en cette période difficile. Encore une fois, au nom du groupe Forum, recevez nos sincères condoléances. Donc après l'hommage à Maître Joseph Milandou, très proche de mon aîné Maître Jean-Martin Bemba, comme vous venez de le voir dans nos dernières images de juillet 2019 dans la région parisienne. Et nous allons donc continuer notre émission prévue pour parler de l'ascension de Ange Diawara, Bidi. Nous allons donc suivre Maître Moudine Nomasego dans cette première partie d'une série que nous allons publier. Il va nous parler donc cette fois-ci de l'ascension de Ange Diawara Bidi. C'est au cours d'un entretien que nous avons eu à Nancy. Je dis donc que je ne connaissais pas Marien Wabi avant, et quand il a fait le coup d'état du 31 juillet 68, la défense civile qui se trouvait avec lui par l'intermédiaire de Diawara a résisté, mais Diawara a oublié, intentionnellement ou non, d'alerter la section défense civile de Bakongo. La section 36 de Bakongo, Diawara ne nous a pas dit qu'il y a un coup d'état qui va se produire et qu'il faut le soutenir. Donc la section 36 de Bakongo a résisté au coup d'état commun de Diawara et Marien Wabi. Et nous étions donc en scission. Nous avons dit, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend rien. Pourquoi Diawara ne vient pas nous parler? Pourquoi la défense civile ne fait aucune déclaration à propos du coup d'état du 31 juillet 68? Et nous avons attendu. On nous a dit, attendez, vous serez informés. Et comme le coup de feu crépita à Brazzaville, nous nous sommes recueillis à Makana. On a quitté Brazzaville, on est allé à l'arrière-pays vers Kinkala, où on attendait les événements. La plupart des pro-Massamba de Ba se retrouvaient et à Makana, à Yokama, et d'autres se retrouvaient au camp angolais. Donc moi je me trouve à Yokama, Massamba de Ba envoie quelqu'un et dit voilà, vous qui résistez, qui êtes à Yokama, il y en a qui veulent peut-être s'en aller, moi je ne m'oppose pas, je ne retiens personne, mais je tiens absolument à ce que Maître Moudileno revienne à Brazzaville. Donc moi, on a discuté là-bas, il y a une situation, mais pourquoi Massamba de Ba veut qu'il y a toi, c'est moi qui rentre, et pourquoi il dit que les Mbindi et autres peuvent partir et tout. Moi, je suis quand même revenu à Brazzaville, et c'est là que j'apprends que je suis dans le gouvernement. Alors, il y avait une grande réunion que tenait Marien Wabi au siège du président de l'Assemblée nationale. On me dit, bon, mais il faut aller à cette réunion. Marien Wabi est là, tous ceux qui doivent faire partie du gouvernement sont là. Il n'y a que toi qui manques. Moi, je débarque donc là-bas, en ma tenue de militant de la défense civile avec tout.
J'arrive, on annonce à Marie Ngwabi qu'un maître nous dit nous qui est là, et Ngwabi m'envoie Edouard Pongi pour me désarmer à la porte de la salle de réunion. Donc Pongi arrive, on se sourit un peu. Moi j'avais un pistolet dont le numéro me faisait vraiment plaisir, c'était 1944, un fusil, je retiens le numéro. Mais j'ai dit, Ange Edouard Pongi, bon, mais tu me prends ça, mais il faut que je le récupère parce que c'est un très beau numéro, j'ai un souvenir sur 1944. Donc je rentre, je connais Marion Wabi, et voilà, on démarre. Et donc là aussi, Diawara est dans ce gouvernement. Et donc voilà comment réellement j'ai connu Diawara. Mais tout au long, après, on n'a pas approfondi les connaissances parce que lui était vraiment profondément engagé pour la révolution. Alors que moi, j'avais des interrogations sur la révolution. J'avais des interrogations. Je me disais, il y a une situation qui est là, je ne sais pas comment elle aboutira, parce que je partageais les mêmes points de vue que Matsubuta, qu'on ne pouvait pas faire une révolution socialiste dans le contexte congolais. Mais on pensait qu'avec Marion Wabi et tout le monde est réuni, on pourra trouver une certaine voie. Alors cette réserve que j'avais quant à l'avenir a fait que, bon, il y a des distances qui commencent à se faire entre le Noumazalaï, le Graï, le Diawara, moi et d'autres. Et moi, j'ai choisi véritablement d'aider Marion Wabi au niveau du gouvernement. Je sais que tu as été nommé vice-président du Conseil d'État. Oui, en 1971. Mais au début, j'étais ministre de la fonction publique, du travail et de la justice, des postes très importants, où les ouvriers étaient très nombreux, ministre du travail, la fonction publique qu'il fallait réformer, la justice qu'il fallait réformer, parce que la justice était tombée entre les mains des révolutionnaires, c'était n'importe quoi. Il y avait les assassinats de 65. Donc je pensais que c'est ce travail profond qu'il fallait faire et que Marion Wabi devait être avant tout un chef d'État presque plus civil que révolutionnaire. Et je me suis attaché, rapproché sérieusement de lui pour l'aider dans ce sens. Et par exemple, quand il y avait des condamnations de révolutionnaires, je disais qu'il ne faut jamais verser le sang. Il faut savoir amnistier, surtout quand les gens étaient arrêtés parce qu'ils avaient parlé, ils n'avaient posé aucun acte matériel autre, il n'y avait que la parole qu'il fallait savoir parler. Alors on m'a même dit que oui, mais maître Mdelou ne fait que produire des amnisties pour protéger les gens de sa tribu, etc. Mais il ne comprenait pas que c'était pour donner une dimension nationale à Marion Wabi. Alors je profite de ton micro pour dire ceci. Si Marion Wabi aujourd'hui a une dimension dans notre histoire, une dimension qui va rester, c'est celle qu'il a acquise pendant cette période où il n'a pas versé le sang, où il n'a pas fait de discrimination d'ordre tribal ou régional, où il a marché comme un patriote congolais, un citoyen congolais, c'est-à-dire jusqu'au mois de mars 70. Après, ça a commencé sa déviation, son annexion par des gens qui lui reprochaient d'être au service de tout le pays. Donc ce Marion Wabi que j'avais connu et avec qui j'avais marché, je l'ai vu dépérir à partir de 70, où les gens commençaient à dire que le pouvoir qu'il a conquis doit d'abord être au service du Nord. Non, je veux bien comprendre parce que... Non, donc mais... c'est avant la création du Parti Congolais du Travail. Non, le Parti Congolais du Travail a été créé en 69. Ah, en 69. Si, bon. Voilà. Je retire ma question. Voilà, ça a été créé en 69. Ah oui, c'est et Marion Wabi. C'est décembre. Donc, ben voilà, il commençait à être annexé, ainsi de suite. Et là, ça n'allait plus du tout avec moi qui représentais la justice. Et la justice était caporalisée par la cour martiale, où il y avait des gens dont on ne connaissait pas le nom. On le connaissait. Ah oui, je me souviens maintenant. Donc je comprends, mars 70, ça nous rappelle donc le coup d'état manqué de Kinganga. Pierre Kinganga, le lieutenant Pierre Kinganga. Sirocco. Voilà. Oui.
qui n'a pas été jugé, qui a été assassiné sans procès, sans rien, de Kiyindou Michel qui a été assassiné sans véritable procès, ainsi de suite. Et là, quand une cour martiale s'intervient dans la justice politique, le ministre de la justice qui est écarté, qui n'était pas au bureau politique, parce que je n'ai jamais été au bureau politique, on me traitait de tiède, mais je n'étais pas tiède, j'étais plutôt un juriste politique, un patriote, plutôt qu'un révolutionnaire. Je peux dire aujourd'hui, après l'histoire, un révolutionnaire aveugle, parce que ça n'a pas abouti. Donc tout ce qui croyait la révolution, ça n'a pas abouti. Je peux dire qu'il marchait de façon aveugle. En fait, je voulais poser quand même une question. Je vais revenir en arrière. On a parlé des assassinats de 65. Les assassinats de 65 ne se limitent pas seulement à Matsukota, Matsuime ou Poibou. Il y a eu le capitaine Bikounou qui a été exécuté. Oui. Ben oui, mais cette affaire n'a pas été analysée parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'était passé pour le capitaine Bikounou. On ne sait pas. Non, on sait que c'est les rivalités du clan de Ngouabi, puisqu'il était capitaine et c'était un brillant officier. C'est tout à fait possible. C'est ce qu'on dit. Hein. Oui, c'est tout à fait possible, mais à la conférence nationale, on n'a pas examiné le cas. Mais on ne pouvait pas examiner parce que les protagonistes. Parce que nous aussi, nous menons des recherches. Ben oui. Nous faisons des recherches. Moi, sincèrement, je le dis, pour la clarté de l'histoire de notre pays, il faut que tous les intellectuels qui ont des éléments d'appréciation les mettent à la disposition de certaines personnes pour les analyser. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai conclu que le capitaine Bikounou, c'est un problème de rivalité entre militaires. Ben oui, absolument. Ou voilà, d'autres choses, mais il y avait ça. Parce que je ne voyais pas le capitaine Bikounou être impliqué dans les problèmes politiques. Ben oui, mais voilà. Parce que moi je voyais quand il vivait vers la cave de Gaulle. Ben oui, mais donc voilà. On était trop intéressés. Voilà donc ma cohabitation avec Diawara, pas très très claire et tout. Et donc quand Marion Gwabi en 70, il y a l'affaire Diawara, en 71, ça s'embrouille et il me nomme vice-président du Conseil d'État en décembre 71. Et à l'occasion de ma nomination, tout le bureau politique a été détruit par Ngouabi. La fameuse phrase « ceux qui sont montés trop haut doivent descendre », il a ramené tout le bureau politique par terre, y compris Diawara. Donc la tension était grande entre ceux qui étaient au gouvernement et ceux qui étaient au bureau politique et qui se trouvaient dessus. On dirait, mon maître me dit, non, monte pendant que d'autres descendent, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie. Et alors, ça se passe en décembre 71. Diawara est hors bureau politique, Noumazalaï aussi, Graï aussi, énormément de gens hors bureau politique. Et donc, toi, tu es passé au bureau politique? Non, moi, je n'ai jamais été au bureau politique. Ah. Jamais été au bureau politique. J'étais seulement au comité central. J'étais au comité central et au gouvernement. Alors donc il y a alors que le gouvernement était très très proche de Marion Ngouabi, on voulait qu'il soit vraiment un gouvernement de la nation et pas un gouvernement seulement des révolutionnaires. Parce qu'il y a ce problème-là, le gouvernement est au service de la nation alors que la révolution était au service d'une classe. Donc Diawara et tous les révolutionnaires et bureaux politiques sont descendus. Ceux qui sont montés trop haut doivent descendre, ils sont descendus. Et alors ils disent, bon, mais nous, comme on n'a plus d'avenir, il faut renverser Marion Ngouabi. Donc ils vont monter le coup d'État révolutionnaire et Ngouabi va donc se trouver devant un nouveau coup d'État, celui de Kinganga ayant été qualifié de réactionnaire de droite. Et Kinganga lui reprochait d'avoir créé la révolution. Il a dit dans son discours, je prends la radio pour mettre fin à la révolution. On a dit que ce langage était réactionnaire. Mais quand les Diawara vont s'attaquer à Marion Ngouabi, on dit que c'est l'aile révolutionnaire qui renverse Ngouabi. Ce qui fait que Ngouabi se trouve le 22 février 72, un homme qui a été contesté et par la droite, l'armée, et par la gauche. Et quand Ngouabi, plutôt quand le 22 février se produit, Ngouabi n'est pas à Brazzaville, il est avec Sassou à Pointe-Noire.
Alors, moi, donc, étant vice-président du Conseil d'État, on dit, bon, mais il faut que vous assumiez vos responsabilités. Il y a un membre du bureau politique qui est resté, c'est Pierre Nzé. Toi, tu es vice-président du Conseil d'État. Il faut absolument faire face au coup d'État qui vient de se produire. Alors, Pierre Nzé prend sa voiture et il arrive chez moi et me dit, bon, Aloïse, monte dans la voiture avec Lopez. On va circuler dans le pays pour voir exactement qu'est-ce qui se passe, pas dans le pays, mais dans Brazzaville, pour voir qu'est-ce qui se passe, d'où vient ce coup d'État, qu'est-ce qu'il veut, qui le fomente et tout. Et nous circulons avec Pierre Nzé et Lopez, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur actuel du Congo à Paris, pour sillonner les arrondissements de Brazzaville. Nous sommes allés à Poto-Poto. Nous sommes allés à Talangaï, nous sommes allés à Mongali, on est partout. Tout le monde est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Mais d'où vient le coup d'État? Et quoi? Qui l'a fomenté? Qui le dirige et tout? Après, j'ai dit, on va aller aussi à Bakongo. On va aussi aller voir à Bakongo. On va aussi aller voir à Bakongo. Et tous les trois, nous sommes montés dans la voiture. Il y avait encore une autre dame qui était membre du comité central, Madame Paka. Nous sommes montés dans le véhicule, on va direction le Bakongo. Et on passe devant la milice, devant le lycée Saborgnan. Où nous étions, nous. Eh ben, Ah, je suis témoin, hein, non? ben oui, C'est donc, comme ça que ça s'est passé, eh non? ben oui, on est passé par là, on est passé par Bakongo, on arrive à la mairie de Bakongo, on nous arrête. Il y a quelqu'un qui nous arrête en disant, voilà, au nom du pouvoir nouveau, vous êtes déchu, on vous met à la mairie, prisonnier en attendant une certaine suite. Donc nous sommes à emprisonner Madame Paca, l'ambassadeur plutôt Henri Lopez, Pierre Zé, on est emprisonné, entre guillemets, dans la mairie de Bakongo. Et alors les gens de Bakongo viennent, ils disent, écoutez, nous on ne veut plus de ces histoires-là, on ne sait pas d'où ça vient, tout dernièrement on a payé dans l'affaire Kinganga. Maintenant, on vient vous arrêter, on nous met à la mairie, nous ne voulons pas aller les détenir, je ne sais pas où, on fait déjà commencer à parler. Et puis, ils me parlent donc en la langue de Congo. Qu'est-ce qui se passe? Bokaboué, tout ça. Comme je ne savais pas, je disais, on est en train de chercher, c'est pour ça qu'on passe par ici. Et pendant qu'on discutait comme ça, un véhicule vient nous extraire de l'immeuble de Bakongo. Et puis on nous amène à l'ancien camp des Angolais, le camp météo. On nous amène au camp météo. Alors que nous sommes donc au camp météo, on nous met dans un coin, une sorte de véranda. Attendez, on vous informera de la suite, nous étions là. Mais entre-temps, moi j'avais dit à celui qui était venu nous prendre à Bakongo. J'ai dit, mais écoutez, regardez Madame Paka là, vous ne pouvez pas amener une dame comme ça, on ne sait pas où est-ce qu'on va, elle est en état de grossesse. C'est quand même, elle est membre du comité central, vous la traitez comme ça, elle est en état de grossesse. Alors, celui qui était venu nous prendre a compris, il a laissé donc Madame Paquin, il a amené seulement Pierre Nzé, Manda, Lopez et puis moi au camp. Voilà. Camp. Quand on voulait donc Oui. vers météo, Oui, territoire. le camp météo, nous sommes arrivés là-bas, on était sous une sorte de véranda, on attendait. Puis à un moment donné, moi j'entends des bruits, je sortais d'une certaine pièce voisine, des gens qui murmuraient, qui parlaient, etc. Je me suis dit, mais c'est quoi là, ce bruit, qu'est-ce que c'est? Pour aller voir, j'écoute, donc tous les congédiés là, ils étaient en train de discuter sur ce qui venait de se produire. Il y avait donc Noumazalaï, Diawara, Raoul, Graï et pas mal d'autres. Et Noumazalaï va me dire, mais moi je leur ai demandé, mes camarades, mais qu'est-ce qui se passe? Nous on est venus nous arrêter, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors j'ai entendu des murmures, des bruits, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quels sont ceux-là qui sont en train de murmurer? Alors j'ai mis la main à la poignée et la porte n'était pas fermée à clé, elle s'est ouverte. J'ai vu l'arropage de ceux qui avait organisé le complot du 22 février. Là, il y avait là Noumazalaï, Raoul, Diawara, Graï, Kimboala, je crois, oui, Kimboala, je crois qu'il était là. Et je les ai tous vus. Alors j'ai demandé à mes camarades, nous on circule à travers les arrondissements pour savoir qu'est-ce qui se passe.
Alors de quoi est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe? Alors Mama Zelaï me dira, ben non, il y a une contradiction, mais elle sera bientôt résolue. Donc tu peux retourner sur la véranda tout à l'heure. On se joindra à toi ou tu nous rejoindras. Donc je suis retourné sur la véranda, j'ai dit à Pierre Nzé ce que j'ai vu. J'ai vu, il dit à Lopez ce que j'ai vu, mais il ne voulait pas trop me croire. J'ai dit, mais si, ils sont là. J'ai dit à Pierre Nzé, tu peux y aller. Tu es membre du bureau politique, ils sont là. Alors pendant qu'on discutait, nous là, dehors, on s'étonnait et tout. Il y a quelqu'un qui vient nous chercher en voiture, un autre. On montait dans le véhicule en bourdonnant, en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous nous enlevez? Où est-ce qu'on s'en va? Puis on monte dans le véhicule, la route prend, la voiture prend la direction du pont du Jouet. Alors Henri Lopez pose une question à celui qui nous conduisait, mais il était membre du comité central aussi, mais où est-ce que tu nous amènes? C'était le silence. Où est-ce que tu nous amènes? Tout le monde dit, mais où est-ce que tu nous amènes? On veut savoir. On arrive au pont du Jouet, à un moment donné, on dit, ben, vous verrez un peu la suite. Et donc, on a traversé le pont du Jouet, assez inquiet, on ne se parlait pas. On arrive après le pont du Jouet, le véhicule a bifurqué du côté de la prison de Makala. On arrive à Makala, on me dépose là-bas, on dit, ben voilà, vous irez dans Pierre Nzé, Maître Moudileno, vous irez dans telle pièce, Henri Lopez, dans telle autre pièce. Donc on nous met dans une pièce, Pierre Nzé et moi, on ferme à clé, et tout, Henri Lopez avec quelqu'un qui se trouvait déjà enfermé là depuis 3 heures du matin, le nom m'échappe un peu, mais peu importe. Donc deux par deux par cellule. Et nous étions là, on attendait. Ah oui, Henri Lopez a retrouvé dans sa cellule Ekamba Elombe. Il a retrouvé Ekamba Elombe qui était pris lui, Nicodème, depuis 3 heures du matin. On l'avait pris chez lui à 3 heures du matin. Donc Pierre Nzé, on était là, on commençait à réfléchir, mais c'est quoi? Et je lui dis, mais moi j'ai vu les conspirateurs. Il dit, mais c'est pas possible. Alors on a échangé pas mal de choses, d'idées. Qu'est-ce qui va arriver, mais tout. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte à l'extérieur, un gars de Bakongo, de la Fédération 36 de Bakongo, et il me parle en langue de Congo, dit Yaya, Mimita Boamiawa, tu sais bien, Kangila Weka, nous nous battrons pour que rien ne t'arrive. Nous avons le fusil, on ne te laissera pas. D'ailleurs, nous sommes en train d'organiser ton évasion. On prépare une pirogue au pont du Jouet, beaucoup bonga, on te prend, on te met dans la pirogue, puis on va dans la nature en pirogue. Alors, je donne l'information à Pierre Nzé dans la cellule. Je dis, Pierre Nzé, il y a des gens qui s'organisent dehors pour nous prendre, nous sortir d'ici. Qu'est-ce que tu en penses? Pierre Nzé dit, mais c'est impensable. Où est-ce qu'on peut aller? On n'a rien et tout. Et puis, dans le pool, on risque de se perdre et tout. On ne sait pas s'ils sont sincères et tout. Donc, on a dit, bon, nous, on reste ici, on attend. Alors, à un moment donné, Pierre Nzé avait une envie naturelle. Puis, les gens lui disent, ah bon, oui, ben alors, on lui a amené une bouteille pour vide. Alors celui qui a amené la bouteille vide, c'était un gars de poule, il amène la bouteille dans la cellule, mais je lui dis, mais, en langue, je lui dis, mais quoi? Tu donnes une bouteille vide pour que le membre du bureau politique puisse faire pipi dans une bouteille? Tu ne sais pas, est-ce que tu sais ce qui se passe en ce moment? Pour que tu arrives à des actes comme ça. Mais je lui dis que lorsque Pierre Nzé aura fait pipi, aura fini de faire pipi dans sa pirogue, et que moi, si j'ai envie de faire pipi, je ne prendrai jamais une bouteille. Il est allé dehors, il a raconté aux gens que Maître Moudin est en train de refuser ce traitement de prisonnier. Puis on est venu ouvrir la porte, on a pris Pierre Zé pour aller faire naturellement pipi, sans passer par une bouteille. Et puis à un moment donné, vers 3 heures comme ça,
de l'après-midi, on ouvre les portes, Dieu, mais c'est une petite récréation et tout ça. On sort dehors sur un banc, on sort Lopez et Lombé. Puis tous les quatre, nous sommes là, on se dit, mais qu'est-ce qui arrive? Mais quels sont ces gens qui nous gardent prisonniers, des gens qui étaient au parti avec nous? Qu'est-ce qui nous parle pas, qui sont muets? Et Kamba et Lombé va nous dire, Marie Ngouabi est au courant de ce qui arrive. Parce que dans la cellule où j'étais, il y avait un vieux téléphone qui traînait là, personne ne s'en servait, mais moi, comme j'étais dans les transmissions dans l'armée française, j'ai réparé le téléphone et j'ai eu au bout du fil Marion Ngouabi à Pointe-Noire. C'est pour ça que Marion Ngouabi de Pointe-Noire va faire une déclaration à la radio pour dire que je sais qu'un tel et un tel sont emprisonnés. Mais il faut les libérer tout de suite, il faut qu'ils soient vivants, il faut les sortir. C'est grâce au génie de Kamba et Lombé qui avait remis en marche un téléphone dans sa cellule. Que Marion Ngouabi avait parlé, que tout le peuple avait appris que nous étions prisonniers. Et on restait donc là-dehors, On attendait, et sous le coup de 17h comme ça, il y a Zambila qui est venu avec une Land Rover. Il vient dire, on vient vous prendre, je crois que le contentieux est terminé, la contradiction résolue, je viens vous prendre pour rentrer à Brazzaville. Le président Marie Ngouabi est rentré, je viens vous prendre pour vous amener chez le président Ngouabi. Alors, Pierre nous a piqué une colère terrible. Mais toi tu viens, quelle est cette contradiction qu'on n'a pas connue au niveau du parti? Tu viens nous parler d'une contradiction, c'est laquelle? Elle est finie, dans quel sens? Alors on ne monte pas dans ton véhicule. Alors moi, comme j'en avais assez, je dis, écoute Pierre, moi je ne veux pas traîner ici, je monte dans le véhicule. On désarme le gars, il sera au volant, il n'aura pas de fusil, vous serez derrière avec le fusil et puis il nous conduit. Et c'est ce qu'on a fait, on a laissé Zambila au volant, on voulait enlever les moyens militaires qu'il avait. Et nous sommes montés jusqu'au palais de Marion Ngouabi. Nous étions là, Marion Ngouabi était déjà au palais, il y avait une foule énorme. On arrive là, on nous a mis au secrétariat du président, on n'avait pas mangé, on nous a donné pas à manger et tout. Alors on était en train de manger, Marion Ngouabi nous dire alors qu'est-ce qui se passait, on lui expliquait. Est-ce que vous avez été maltraité? On a dit non, mais enfin, on lui a raconté. Alors quand on raconte comme ça à Marion Ngouabi, on entend de grands cris d'or. Traître, traître, on tabassait, le gars cria, président, viens au secours, président, il va me tuer, président. Marion Ngouabi nous abandonne dans le secrétariat, court, à la rentrée. Il trouve nous Mazalaï en sang. C'était nous Mazalaï. Marion Ngouabi a tempêté, dit, mais qu'est-ce que vous faites de des actes sauvages comme ça et tout? Il prend donc nous Mazalaï, il l'amène au secrétariat où nous étions avec nous. Alors nous, on était un peu... On lui tourne le dos, on lui parlait pas tout ça. Puis Mazala dit, voyez, ces jeunes ne comprennent rien. Je leur ai dit de ne pas tenter un coup d'État. Je leur ai dit de ne pas aller dans une aventure comme celle-là. Alors, il parlait comme ça tout seul, nous on l'écoutait, mais sans lui parler. Alors, à un moment donné, on voit rentrer quelqu'un de violent, Sika Kabbala. Il rentre. Il dit, mais alors, qu'est-ce qu'il fait ici, Mouazalaï, alors que les autres sont arrêtés? Qu'est-ce qu'il fait ici au bureau du président? C'est une injure, il empoisonne là pour l'enlever. Marion Ngouabi vient. Il dit, c'est qu'à Kabbala, je suis commandant, au garde-vous. Il a calmé donc c'est qu'à Kabbala. Et on a déplacé Mouazalaï dans une autre pièce. Et alors, on apprend aussi à Marion Ngouabi que les autres conjurés avaient été arrêtés. Il y en a même qui disaient qu'ils étaient interrogés, nus, pendus à la maison d'arrêt. Marion Ngouabi prend son véhicule pour aller les délivrer à la maison d'arrêt. Et nous, après avoir causé le soir, chacun est allé chez lui. Donc moi, je n'avais plus vu et revu Diawara jusqu'à la fin. Non, on peut continuer. Parce que ça, c'est uniquement pour expliquer ce qui s'est passé, mais bon. Ah oui, maintenant, si tu veux que je te parle de la suite, je peux t'en parler. Hein. Oui, mais bien sûr, on a besoin de la suite. Ah ben, la suite. Oui, mais comme... Parce que, juste parce que tu n'as jamais plus revu Diawara, mais après, tu es resté dans le pays, et jusqu'au moment où tu vas en mission
Oui. Pour l'enterrement de Kwame Nkrumah. Oui, mais la suite, c'est l'amorce de mon départ. La suite, c'est déjà mon départ qui est amorcé. Marion Ngouabi, donc, confie l'affaire à la cour martiale. Le ministre de la Justice n'est pas associé. Le parti est complètement... il n'existe pratiquement pas. Les trois quarts détruit le parti. Donc arrêté et tout. Donc c'est Marion Ngouabi qui dirige le pays pratiquement tout seul. La cour martiale est mise en mouvement. On prononce énormément de condamnations à mort. Et pendant les interrogatoires, il y a Yitzhou qui était interrogé, il s'est fait tuer, on le prend après l'interrogatoire, on va le tuer sur la route du Nord, l'incident que tu connais, le grave incident que tu connais. Et donc tout ça, ça se passe, il n'y a pratiquement plus de vie, même le gouvernement ne se réunit pas, ne parle pas du comité central, il n'y avait plus rien. Le seul membre du bureau politique qui était resté, c'était Pierre Nzé. Ange-Édouard Poundi qui se trouvait au Tchad et Marion Ngouabi, trois membres du bureau politique étaient restés. Le parti était détruit, le comité central aux trois quarts. Donc, et puis cette affaire est confiée donc à la cour martiale. Qui était présidée par qui? Ah, ça je ne sais pas. Mais puisque c'était une juridiction militaire, le ministre de la Justice n'était pas là. Mais moi, je sais que. En tant que ministre de la Justice, tu ne sais pas. Pas du tout. Mais je pense que si j'étais du Nord, j'aurais su de qui. Mais sudiste. Mais oui, mais le coup du M22. Eh oui. C'était pas. Eh bien oui, mais il a été vu comme non, ça. C'est un coup quand même, il faut le dire. Pour une première fois dans le pays, un mouvement était un mouvement. Révolutionnaire. Oui, mais. Il n'avait pas une. Non, mais je peux dire que les gars qui étaient impliqués dans le coup du M22, les grands cerveaux sont à majorité du Nord. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Donc, oui, les gens n'ont pas vu ça. Parce que ceux qui participaient à la révolution activement, c'était la plupart des gens étaient du Nord. Depuis le 31 juillet, la majorité, c'était des gens du Nord. La révolution, c'était des gens du Nord, fondamentalement parlant, avec les Noumazala et tout. Donc, c'est eux qui se trouvent impliqués dans le coup d'État, en majorité, dans le coup d'État du 22 février. Les grands cadres du Sud n'étaient pas tout à fait nombreux, mais enfin, ça, c'était un aspect. C'était un aspect. Ils seront tous condamnés. Ils seront tous condamnés. Et alors, nous sommes dans une situation vide et tout. Et dans cette situation, moi je m'interroge, je dis bon maintenant on ne sait pas où on va, on ne sait pas qu'est-ce que le président va avoir comme attitude, puisque le bureau politique est détruit. Alors moi je demande à un moment donné une audience au niveau du président. Et je lui dis, monsieur le président, vu l'état de destruction du parti, il n'y a que deux, trois membres du bureau politique qui restent, deux membres plutôt en plus de vous-même le président. Le comité central est détruit. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une conférence nationale. Et j'ai prononcé ce mot devant Marion Ngouabi, j'ai insisté. Il faut faire une conférence nationale devant cette situation. Marion Ngouabi me répondra un peu plus tard en disant, mais moi je ne peux pas dissoudre un parti que j'ai fondé. Alors j'ai compris qu'il ne voulait pas du tout. Donc ça signifie qu'il voulait aussi refonder le parti en recrutant. Mais vous êtes tous des fondateurs du parti. Oui. Du travail. Même Diawara, Thomas, oui. Ceux qui ben étaient impliqués dans le mouvement du R22 étaient tous des fondateurs du parti. Oui, ben oui. D'ailleurs, Mourangila avait revendiqué également. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Donc, nous sommes dans une situation un peu bloquée. Marion Ngouabi ne voit pas d'autre perspective que redresser le parti au lieu de faire une conférence nationale. Il boude le parti pratiquement parce qu'il pense à un nouveau parti, fameux recrutement. Et aussi, il finit, ça aussi c'est une erreur fondamentale qu'il a commise, il boude le gouvernement qui était resté en entier. Aucun membre du gouvernement n'était dans le coup d'État du 22 février. Aucun. Tous les ministres n'étaient pas impliqués. Sauf Diawara qui était ministre de l'Agriculture. Oui, mais non, Diawara était déjà descendu. Ah oui. Oui, il n'était pas depuis le mois de décembre. Mais oui, le mois de décembre, parce que l'origine, ce que je voulais quand même que tu nous dises, parce que j'étais à l'époque élève au lycée Savonneau de Bazan, et quand
mouvement du M22 est arrivé en 72, il a été précédé par la grève des étudiants. Nous avons fait une grève le 15 novembre. Oui, ayant votre tête, M. Nsiba. Oui, Nsiba, lui, il était au niveau de l'université. Eh oui, Florent était à l'université. Mmh. Nous étions, il n'était pas à la tête. Il était parmi, hein, parce que à l'époque, quand même. Cet événement-là, moi aussi j'ai eu une intercalation avec le président Marie Ngouabi, parce que Marie a déclaré, quand vous avez sur quoi tabassé M. Oulassa, Oulassa Paul-Henri. Oui, le proviseur, c'est mon ami, vraiment. Mais vous l'avez pas respecté, je crois. Non, c'est pas nous, mais vous savez, c'est les gens. Vous savez, après tout, qu'est-ce qui s'est passé? Paul-Henri Oulassa, moi je ne pourrais pas être contre le proviseur, puisque d'abord, étant quelqu'un qui vivait à Ouenzé, je connaissais ses fréquentations, je connaissais ses enfants, je connaissais sa femme, donc je ne pouvais pas être contre un homme que je connaissais très bien. Nous avons été au lycée, c'était notre proviseur. C'est vrai qu'il y a eu un mouvement, parce que ce mouvement, nous l'avons fait à cause de ce qui manquait au lycée. Il manquait les matelas, les fourchettes, les cuillères, hein. Donc tout ce qui est intendance, et sans compter le fait qu'au niveau de notre lycée, il y avait une discrimination. Nous avions nos frères qui venaient de Makwa, de Wado, la cuvette, des plateaux, qui n'étaient pas accueillis à l'internat. C'est ça, surtout nous. Oui, alors donc le proviseur a été plus ou moins malmené, je crois assez gravement, et Marie Ngouabi va dire, si Oulassa était mort ou gravement blessé, mais il y aurait une nouvelle guerre de 59. Je n'ai pas partagé ce point de vue-là. J'ai dit, monsieur le président, vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Il était emporté. Mais il est emporté, mais oui, mais il est chef de l'État, il faut savoir se maîtriser. Il était chef de l'État. Alors, à part de là, il n'y avait plus de contact positif, c'était presque fini. Marie Ngouabi avait douté pratiquement de tout ce qui était autour de lui. Et puis il a eu une autre vision, la suite, je ne sais pas comment il allait remettre parti en place. Donc il y a eu les condamnations à mort de tous ceux qui avaient participé au coup du 22 février. Non, mais moi je voulais revenir sur un point. C'est-à-dire, lorsque nous avons fait la grève, Marie Ngouabi fait un discours. On appelait ça le discours du 23 novembre 1971. C'est ce discours qui a fait descendre tous les membres du bureau politique. Nous avons analysé, parce que j'étais dans le noyau politique du lycée Savonien de Brazza. À l'époque, le président du GIEC, c'était Gomez Olamba, mon ami, hein? Gomez Paul Olamba. Nous discutions de ça. Donc nous savions, nous avons analysé, parce que, en fait, le mouvement de M22 prend sa source dans la contestation. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que nous analysions. D'ailleurs, moi-même, j'ai été consulté par ce mouvement M22, mais je me suis caché, je suis allé me cacher à Ouenzé. Moi, je vivais à Ouenzé, j'ai vécu là-bas pendant 48 heures avant de revenir à l'internat. Oui, c'est donc il va faire le discours où il casse le bureau politique, ceux qui sont montés trop haut doivent redescendre de Mazala et tout ça. Sont exclus du bureau politique. Mais Marie Ngouabi, quand il a fait ça, il n'a pas été juste vis-à-vis du gouvernement qui lui était resté fidèle. Donc il a mis tout le monde de côté. Moi je me suis rendu compte aussi que je ne peux pas moi accepter cette situation, alors qu'on a été emprisonné, alors qu'on a fait ceci, on lui était resté fidèle. Et alors dans ma tête, je voyais aussi l'avenir était terminé avec le Diawara en rentré dans le maquis. 52 condamnations à mort, est-ce qu'on va les exécuter et tout, et il y aura un débat là-dessus. Marie va nous réunir à la mairie, le reste qui restait du bureau politique, le peu qui restait du bureau politique, on est à la mairie pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de 52 condamnations à mort, si on va les exécuter ou pas. Et on arrive là, on parle, quelle est la solution? Marie dit, voilà, il y a 52 condamnations à mort, c'est absolument impossible, la cour martiale est allée trop loin, c'est à nous de trouver une solution. Alors là, j'ai dit non. À la mairie, j'ai dit non, président, vous n'avez pas le droit de faire comme ça, parce que la cour martiale, c'est une instance consacrée dans la Constitution et dans le règlement militaire.
Ces gens, vous les avez mis en place, ils ont prononcé des jugements. Vous ne pouvez pas demander à l'instance politique de justice. Mais il y a une voie pour rectifier ça. Vous devez faire grâce. Il y a une voie juridique que tout le monde comprendra pour rectifier ça. Alors, le peu de membres du comité central qui a dit oui, c'est quoi que la proposition de maître nous dit le non. Et juste, président, hein, faut pas aller contre ce que la Cour martiale a fait. Il faut du tout faire grâce à tous ces gens. Et le lendemain, Marien Gwabi prend l'avion parce qu'il avait une visite officielle en France et tout le monde lui a dit, tous les journaux, les journalistes l'ont dit, vous ne devez pas verser tant de sang, il faut absolument faire grâce, d'autant plus que Diawara, sur son coup d'état, n'a pas versé de sang. Ça aussi, comme dans l'affaire Kinganga, comme je dis à Marien Gwabi, que vous n'avez pas du tout le droit de faire ce que vous avez fait avec l'affaire Kinganga, Kinganga n'a pas versé de sang. Donc l'affaire Diawara, c'est pareil. Et quand lui il revient de France, eh ben, il n'y a pas d'exécution et tout. Mais alors, ça, on pouvait penser que moi, à partir de ce moment-là, j'allais rester près de lui pour l'aider à résoudre cette situation, comme d'ailleurs les gens me l'avaient demandé. Le président Opango était descendu du Nord pour me demander d'être absolument près de Ngwabi pendant cette période. Et d'autres gars du Nord aussi ont beaucoup insisté, des cadres du Nord, pour dire qu'il faut absolument rester près de Marien Gwabi vu la situation. Mais Marien Gwabi commettra une erreur qui fera que je partirai. Il a les compétences du vice-président du Conseil d'État, il a délégué ça à son directeur de cabinet. Qui était? Oh, je ne me rappelle pas. Ne me c'est pas l'autre. Hein? Yanza. Non. Au Kanza. Non, pas au Kanza. Je ne sais pas. Donc, j'ai lu les textes. Les compétences de ceci, cela sont déléguées au directeur de cabinet et tout. Alors, j'ai dit à ce moment-là, il n'y a plus de retour. J'ai attendu une occasion pour partir. Donc, ça veut dire que c'était pratiquement le système présidentiel qui se mettait en place. Celui que plus tard, ça souvent épaulé, puisque le système présidentiel. Si c'était délibéré, mais là, de façon comme ça, péremptoire, impériale et tout, en violation de la constitution de l'époque, donc le poste de vice-président du Conseil d'État est aboli de cette manière, moi je lui ai fait une lettre, je lui ai dit que j'ai l'âme trop juridique pour accepter ça, et je suis parti. J'arrive à Conakry, j'ai discuté avec quelques Cubains qui étaient là, qui m'ont posé des questions, mais comment? Après la Guinée, je suis allé en RDA, les gens aussi m'ont posé la question, mais le Congo, on vous avait condamné à mort. Je suis revenu de la RDA, j'ai fait une lettre à Marien Gwabi, j'ai dit que je démissionne. Je démissionne parce que c'est une dérive, on ne sait pas où on va. Dictatorial. Oui, c'est une dérive. Tu dérives, et puis Marien Gwabi a essayé. Marien Gwabi était complètement déboussolé. Les Pierre Nzé se révoltent, les condos par la suite, les syndicats, jusqu'au 18 mars. Il n'y avait plus de repères. Ça, bon, moi, quand je parle comme ça, les gens disent, bon, mais tu es anti-Sassou, tu es ceci. Non, je suis un patriote, je suis un légaliste. Et il faut respecter la loi. Sassou lui-même a dit qu'un chef, ça se respecte. Moi, je vais plus loin pour dire les lois, ça se respecte. Oui, non, mais c'est vrai. Ah oui. Parfois, quand on a une âme juridique, et on se dit, nous sommes dans une société où les gens ne respectent pas les textes, ça vous fait mal. Ben oui. Ça vous fait mal parce que c'est vraiment, quelque part, indécent. Et je crois que nous devrons exiger à ce qu'on applique, qu'on respecte les lois. Uniquement dans ce sens-là. Mais malheureusement, on n'est pas nombreux dans ce sens-là. Ben oui, mais par exemple, une loi, si on applique, si un désastre se produit, là, c'est pas bien. On regarde si c'est la loi qui est mauvaise ou si c'est l'application qui est mauvaise. On discute. Mais on ne peut pas faire souverainement que, bon, Maître Moudirino a fait une conférence à Besançon au cours de laquelle il a piétiné le président, il n'a pas été respectueux du président, on lui coupe la pension. Mais ça, je trouve que c'est archaïque.
C'est archaïque comme réaction. C'est bananier, mais, ça. Mais c'est normal. Nous, au forum, quand on a démarré, nous avons été suspendus abusivement. Pourquoi ? Parce que la présidence de la République avait publié un agenda officiel. Un agenda du cinquantenaire qui a traité le président Philbert Hulot, le premier président de la République, d'abbé défroqué. Et nous avons relayé l'indignation de la population. Nous avons relayé l'indignation de la famille. Et malheureusement, on nous a, dans le système, si vous voulez, marxiste, ou du monopartisme, ou carrément, l'innocent devient coupable. Ouais. Donc nous, on nous a taxé d'avoir injurié le président Philbert Hulot. On a suspendu la radio. Moi, je me suis révolté. Et j'ai dit non, qu'on ne peut pas nous accuser d'un acte qu'on n'a pas pu commettre. Et à partir de ce moment, j'ai dit qu'on ne pouvait plus suspendre. Parce que ça, c'est clair. Moi, je défends ma liberté d'expression. Je dis ce que je pense. Je n'ai pas pris les armes. Les gens qui ont pris les armes sont revenus à la mangeoire. On les connaît. Le clan Kolela, le clan Lissouba, et même Ntoumi. Donc je pense qu'il faut éviter certaines choses. Moi, je le dis, je défends ma liberté. Maître Moudilé Lamassigo, merci d'avoir accepté pendant près de 4 heures cet entretien à bâton rompu qui m'a permis de comprendre certains points obscurs de l'histoire de notre pays. Je pense que, en tant que défenseur des droits de l'homme, j'ai l'obligation de rendre public ce genre de témoignage. C'est un témoignage important. Et franchement, avant de se donner la parole pour conclure, j'aimerais mieux te demander que tu me remettes le document que tu m'as promis concernant ta pension. Parce que c'est vrai que j'ai engagé une procédure. J'aimerais mieux moi-même m'informer du contentieux que tu as avec l'État par rapport à ta rente. Il serait donc très intéressant que je sois en possession de ce document. Mais merci bien de cette rencontre. Nous avons beaucoup dialogué, très franchement, patriotiquement. Merci beaucoup. Bon, le premier point, c'est le document. Le mémoire que j'ai déposé devant le juge et que j'ai remis à certaines presses, voici ce mémoire. Maintenant, quant à la situation de notre pays, moi je pense que elle ne peut être résolue que dans le cadre d'une nouvelle conférence nationale. J'insiste beaucoup en ce qui me concerne. D'autres compatriotes proposeront des voies. Et moi, je pense que cette voie-là est parfaite, elle est bonne, elle nous a déjà donné pas mal de bons fruits et qu'on pourrait continuer là-dedans. Ça ne sera pas la deuxième fois ou la troisième ou la quatrième. C'est comme les républiques. Nous avons des républiques en France qui sont déjà au niveau de 5. Donc, une conférence et une deuxième, ça serait une bonne chose. Voilà, moi, voilà tout ce que je peux dire. Je pense que les compatriotes nous ont écoutés. Chacun aura son jugement, son appréciation. Et on verra à ce moment-là. On verra à ce moment-là comment on peut sérieusement sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons au cours d'une conférence nationale. Ce n'est pas impossible qu'on ait une conférence nationale fructueuse comme la première, même si nous avons eu après cette première conférence nationale des tragédies énormes comme les guerres civiles et les partis et les constitutions des dictatures.
Voilà ce que je peux dire. Et merci beaucoup. Je pense qu'on se reverra une autre fois. Alors, comme donc vous venez de le suivre, c'est Marie Ngouabi qui a fait partir Maître Moudilino et non le lamentable coup d'État du 22 février 1972. C'est l'après 22 février qu'il a contraint de quitter le pays et non la demi-journée qu'il a passée à Makala en compagnie de Pierre Nzé, Henri Lopez et Nicodème et Kamba Yelombe. Marie Ngouabi n'a pas voulu ou pu tirer les leçons qu'imposaient ces événements qui a réduit le comité central des deux tiers de ses membres. Alors, au soir donc du gigantesque verdict qui rendit l'armée contre les putschistes, c'est-à-dire les 58 condamnations à mort prononcées par la cour martiale, Marie Ngouabi prit peur. Il songea au débris du comité central qui les réunit nuitamment à l'hôtel de ville pour réparer les dégâts. Mais les dix débris, longtemps oubliés par lui, se montrèrent très fiers puisqu'ils demandèrent à Marie Ngouabi de boire le vin que l'armée avait tiré en toute liberté, c'est-à-dire de laisser celle-ci exécuter les 58 condamnés à mort ou d'user discrétionnairement du droit de grâce en faveur des condamnés. Maître Moudilino donc, qui rapporte cette situation, écrira dans le Fonds commun, numéro 22, publié en novembre 1985, ce qui suit. Je cite « J'ai découvert à cette occasion un autre Marie Ngouabi, faible, perplexe, partisan presque devenu le jouet d'un mystérieux fardeau subjectif. Il hésitait à exécuter les 58 condamnations capitales, alors qu'il n'avait pas hésité à laisser massacrer plein de monde le 23 mars 1970 dans l'affaire Kiganga. J'eus soudain un doute sur l'homme, écrit Maître Moudilino Massengo. À mon tour, je me raidis contre lui. Je condamnais cette faiblesse. Mais je commis l'erreur de le faire devant son ami Henri Lopez. En effet, j'avais oublié que celui-ci avait un autre ami nommé Sassou Nguesso et qui rapporte vite mes critiques à celui qu'elle concernait, Marie Ngouabi. Donc, le chef me convoqua sèchement chez lui et n'eut pas la courtoisie de me le faire, de me faire savoir dans le fauteuil. Le chef me convoqua sèchement chez lui et n'eut pas la courtoisie de me faire asseoir dans le fauteuil où il avait fait asseoir le putschiste Nomazalaï le 22 février. Il me fit savoir qu'il n'avait plus confiance en personne en précisant « Nomazalaï qui m'a trahi était plus qu'un premier ministre ». Sous-entendu, Moudilino n'avait pas qu'à se ranger. C'est à partir de cette phrase que Moudilino prit Ngouabi pour un vulgaire naïf et décida de se séparer d'un tel personnage tel qu'il pourrait. Marie Ngouabi demande tout de même à Maître Moudilino de lui présenter par écrit son analyse à chaud des événements du 22 février 1972. Après lecture sérieuse du dit rapport présenté par Maître Moudilino Massengo, Marie Ngouabi répondra sèchement à Moudilino que c'est moi qui ai créé le PCT. Je ne peux pas l'enterrer. En effet, Maître Moudilino avait suggéré à Marie Ngouabi de clore l'expérience et non seulement de mettre entre parenthèses le PCT, car Moudilino ne voyait pas avec qui l'on pouvait encore continuer le rêve généreux du 31 décembre 1969, c'est-à-dire la création du PCT. C'est donc, incidemment, écrit-il, que le 22 février m'a fait partir et non parce que j'avais parti lié
et non parce que j'avais parti lié avec le mouvement du M22 ou téléguidé par Mazalaï, Diawara, comme cerveau du putsch. En un mot, j'avais voulu être logique avec moi-même, je ne voulais pas croire en vie un parti. Je ne voulais pas croire en vie un parti qui était définitivement mort. Bref, je suis parti parce que je sentis que Marien Gwabi, après le 22 février, se préparait déjà inconsciemment à faire revenir le M22 autour de lui et qu'il nous trompait lorsqu'il nous demandait de trouver la sauce à laquelle les renégats allaient être mangés. Et qu'il nous trompait et se trompait lorsqu'il déclara « Nomazala, il doit vivre, afin qu'il vive longtemps son erreur. » Donc, sous Sassou, Nomazala a bien vécu en siégeant au comité central, ensuite au bureau politique, et comme secrétaire général du PCT et au gouvernement, plus tard. Alors, pour aujourd'hui, donc, on peut terminer avec cette phase qui concerne le mouvement du M22. Prochainement, lorsque nous allons parler également de Maître Mudjili Nomasengo, nous allons aborder les événements du 18 mars. Ça sera donc la semaine prochaine. Entre-temps, nous aurons une autre émission, donc la troisième partie et la quatrième partie avec Maître Amédée Ganga, que je salue puisque j'arrive à Paris le week-end. Merci. Vous venez d'écouter les entretiens à bâton rompu de Maître Maurice Massingo Thiassé. Moi, j'aime. Pas si j'en tamazatouka, banka kaba fouiri les jours. Pas si j'en tamazatouka, batata ba fouiri les jours. Pas si j'en tamazatouka, na beto bala tujizabwana. Pas si j'en tamazatouka, na beto bala tujizabwana. Aïe, ma bouillie. Bon, moi c'est Jacques Bulo, artiste comme vous savez, et je suis ici à Forum, Radio Télé Forum Droits de l'Homme de Maître Thiassé. Mais moi je vous dis que je suis là, ceux qui pensent que je ne suis pas là, ben je suis là, à Forum. Ne quittez pas. Forum FM. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Yemelo, le 15 août, Tosui indépendance. Zalakanga, Foster au combat, Banguna Pierre Koura. Oh, oh, oh. Yemelo, le 15 août, Tosui indépendance. Isaac Ibwanga, Kikunga Ngot, Banguna Samba Delo. Le 15 août, Tosui indépendance.
ya Congo, Libale ya Congo, Bilenge, Banamike, tout se fait là, pour la indépendance, ya Mboka na biso République.